Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va traiter un exercice des variables aléatoires qui suivent une loi de Bernoulli. Du coup, l'énoncé de l'exercice est le suivant, soit x, y, deux variables aléatoires indépendantes de même loi de Bernoulli de paramètre P. Bien sûr, ce P doit être appartient à l'intervalle 0, 1 ouvert. C'est ça les conditions de la loi de Bernoulli. On pose S égale à x plus y et D égale à x fois y. La première question, c'était de donner la loi du couple ST et la deuxième, c'est de donner la loi marginale de S et celle de D. On va commencer par la première question. Toujours quand vous avez ce type de question pour donner la loi d'un couple, je vous conseille de dessiner un tableau à double entrée comme celui-là, avec la valeur, une place pour la première valeur et une place pour la deuxième valeur. Et après, vous précisez les valeurs possibles pour chacune des valeurs, par exemple les valeurs possibles pour S et les valeurs possibles pour D. Comme ça, vous allez combiner à chaque fois une valeur de S et une valeur de D et vous traitez la probabilité de cet événement. Du coup, d'après l'énoncé, on a x et y sur une loi de Bernoulli, ce qui veut dire que x va avoir deux valeurs possibles, soit 1, soit 0, et il va avoir la valeur 1 avec une probabilité de P et la valeur 0 avec une probabilité de 1 moins P. Et d'ici, on va conclure les valeurs possibles de S. On a mis ici que S peut avoir 0, 1 et 2. Et ça revient, on l'avait conclu, du fait que S peut être égal à 0. Donc, dans le cas où X égale à 0 et Y égale à 0. Ça veut dire à la fois les deux. Bah, normal, parce que 0 plus 0, c'est le seul nombre qui peut donner 0. Parmi les valeurs possibles, bien sûr, peut pas avoir X et Y. Et pour avoir un 1, il suffit que l'une des deux valeurs soit égale à 0 et l'autre automatiquement égale à 1. Ça veut dire x égale à 0 ou y égale à 1 ou x égale à 1 et y égale à 0. Et pour avoir 2, c'est facile, il faut que les deux soient être égales à 1. Et pour les valeurs possibles de D, on n'a que deux valeurs possibles puisque c'est une multiplication. Et dès que l'une des deux valeurs est égale à 0, normalement et automatiquement le produit va être égal à 0. Du coup, pour avoir 0, il suffit soit que les deux valeurs soient égales à 0 ou l'une des deux valeurs soit égale à 0. Et pour avoir un 1, il faut et il suffit que x égale à 1 et y égale à 1. Du coup, on va commencer. Là, je vous conseille toujours de fixer une valeur de la variable aléatoire, soit de D, soit de S, calculer la probabilité de sa réalisation et après essayer de combiner les événements. Par exemple, on va au début faire l'événement S égale à 0, D égale à 0, S égale à 0, D égale à 1 et après on va passer à S égale à 1 et ainsi de suite. Du coup, pour avoir un S égale à 0, il faut que X égale à 0 et Y égale à 0. Et ça veut dire la probabilité de cet événement, c'est Px égale à 0, virgule Y égale à 0. Et dans la probabilité, cette virgule, ça veut dire E. E traduit en termes de probabilité par un E. Et là, on sait que X et Y et les données dans l'énoncé qui sont indépendantes. Du coup, cette probabilité n'est rien d'autre que le produit des deux probabilités X égale à 0 et Y égale à 0. Du coup, ça peut donner probabilité que x égale à 0 fois la probabilité que y égale à 0. Et ça, c'est rien d'autre que 1 moins p fois 1 moins p. Suivant cette règle, que x, y suivent une loi de Bernoulli, s'il est égal à 0, c'est avec une probabilité de 1 moins p. Du coup, cet événement va avoir une probabilité de 1 moins p au carré. Là, on va voir l'événement s égale à 0 et d égale à 0. Cet événement, il est possible. Parce que pour avoir un D égale à 0, un S égale à 0, on a les mêmes conditions. S égale à 0, c'est X, Y qui est égal à 0. Et si X égale à 0, Y égale à 0, bah automatiquement X fois Y, c'est égal à 0. Du coup, cet événement, il est possible avec la probabilité 1 moins P au carré qu'on vient de calculer ici. Maintenant, on va passer à l'événement S égale à 0 et D égale à 1. Cet événement, il est impossible. Pourquoi ? Parce qu'il ne respecte pas les conditions de D égale à 1. D égale à 1, on a dit que D égale à 1, ça veut dire X égale à 1 et Y égale à 1. Et ces conditions ne sont pas vérifiées ici, puisque pour avoir S, c'est totalement le contraire. Pour avoir S égale à 0, il faut avoir un X égale à 0 et Y égale à 0. Du coup, S égale à 0 et D égale à 1, c'est un événement impossible. Qui dit un événement impossible, dit probabilité nulle. On va passer maintenant à l'événement, à la probabilité que, S égale à 1. Pour avoir S égale à 1, on va avoir soit X égale à 1 et Y égale à 0, soit X égale à 0 et Y égale à 1.
Du coup, la probabilité de cet événement, comme ce qu'on a marqué, que x et y sont indépendantes, ça va être le produit des probabilités. Ça veut dire px égale à 1 fois py égale à 0, plus px égale à 0 fois py égale à 1, puisque le ou en probabilité, et si on a x et y sont indépendantes, le ou se transforme en addition. Du coup, px égale à 1, py égale à 0, c'est p fois 1 moins p, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et xp de x égale à 0, y égale à 1, c'est cette fois 1 moins p fois p. Ces deux événements sont identiques, du coup leur somme c'est 2p 1 moins p. Maintenant on va passer à l'événement s égale à 1 et d égale à 0. Ça aussi c'est possible puisque les conditions sont pareilles. Pour avoir un s égale à 1, il suffit que l'une des deux variables égale à 0 et l'autre égale à 1. Et c'est exactement la deuxième condition pour avoir un d égale à 0. Pour avoir un d égale à 0, il suffit que une des deux valeurs soit égale à 0. Et du coup, s égale à 1, d égale à 0, c'est un événement possible avec une probabilité de p 1 moins p. Maintenant, on va passer à l'événement s égale à 1 et d égale à 1. Ça, c'est un événement impossible aussi, puisque une autre fois, la condition pour d égale à 1 n'est pas vérifiée. Et qui dit événement impossible dit probabilité égale à 0. Puisque pour avoir d égale à 1, ben, il faut que à la fois x égale à 1, y égale à 1, chose qui n'est pas réalisée pour s égale à 1. Maintenant, on va passer à s égale à 2. Pour avoir un s égale à 2, c'est simple aussi. Il faut que x égale à 1 et y égale à 1. Du coup, la probabilité de cet événement, c'est la multiplication des deux probabilités, ce qui va donner p fois p, p au carré. On va passer maintenant à l'événement s égale à 2 et d égale à 0. C'est un événement impossible, puisque pour avoir un d égale à 0, il faut obligatoirement au moins l'une des deux valeurs égale à 0. Du coup, ça, c'est un événement impossible. Par contre, l'événement s égale à 2 et d égale à 1, c'est un événement largement possible puisqu'il y a les mêmes conditions. Pour avoir un s égale à 2, il faut que x égale à 1 et y égale à 1. Et c'est la même condition pour avoir un d égale à 1. Du coup, l'événement s égale à 2 et d égale à 1, c'est un événement possible avec une probabilité de p au carré. Du coup, on a terminé la première question et ça, c'est la réponse normalement à la première question. Le tableau comme ça. C'est la réponse à la première question. Et pour vérifier que votre raisonnement était bien et que vos réponses étaient correctes, vous pouvez simplement faire la somme de ces probabilités et normalement on doit avoir un 1. C'est ce qu'on va faire ici. On aura 1 moins p au carré plus 2p 1 moins p plus p au carré. Les autres c'est des zéros, c'est pas la peine de les mettre, ça change rien. Du coup, on va développer ces expressions, cette identité remarquable et cette formule, ce qui va nous donner 1 moins 2p plus p au carré, plus 2p moins 2p au carré, plus p au carré qui reste ici. On va simplifier les termes qui sont opposés, avec des signes opposés. Il va nous rester un 1 à la fin, vous pouvez vérifier. Du coup,